Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. On doit être le numéro de la semaine 30, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet. Café de bienvenue. Je sors tout juste de la douche. Enfin, ça fait quoi, un quart d'heure que je suis sortie de la douche. C'est trop bon, trop roux. Chérie est déjà en train de nettoyer la fenêtre du petit bureau. Moi, je vais monter après l'introduction de ce vlog. Je vais faire la fenêtre du dressing. Et ensuite, il nous restera les deux petites fenêtres de la salle de bain à faire. Mais comme il y a des travaux à faire, je vais juste les nettoyer à l'arrache. Donc, ce week-end, donc ma fille est passée. Je suis trop contente parce que vous savez, je lui avais commandé les 4 box de la Beautiful Box. Et il y avait une promotion, les 4 box pour, je crois que c'était 12 euros. Je les avais commandés avant mes vacances, hein, c'est pas récent. Et je lui avais commandé parce que la dernière fois, quand j'avais commandé les miennes, elle n'avait pas pu commander les siennes. Elle était déçue. Elle m'avait dit, tu me préviens la prochaine fois. Bon. Je lui ai pris, comme ça c'est fait, elle est partie avec, elle est trop contente, elle les a ouvertes. Elle a ouvert les 4 box et elle m'a dit, elles sont trop bien, vraiment merci. Et du coup, entre temps, samedi, j'ai reçu ma box parce que sur cette box que j'ai prise, sur ce lot là, des 4 box pour 12 euros je crois, il y avait, si vous le souhaitiez, je ne suis pas sûre que ce soit une obligation, mais je ne me rappelle plus ce que c'était avant les vacances. Vous pouviez recevoir, en plus de ces 4 box, je m'éparpille, mais bon, j'ai un peu du mal à m'en rappeler parce que c'est pas tout jeune, mais vous aviez les 3 box mensuelles suivantes à moins 50%. Donc je me suis dit, je vais rester abonnée pendant 3 mois, histoire de recevoir mes 3 box successives, et puis après je me désabonnerai parce que après le montant n'est pas le même. Donc là je me suis dit, moins 50%, ça vaut le coup. Donc j'ai reçu la première des 3 box qui venait, et celle-ci elle a été livrée dans une petite pochette en velours éponge, je dirais. Un peu, elle est très jolie, je trouve la couleur magnifique. Et donc quand vous l'ouvrez, toujours pareil, vous avez donc le flyer qui vous dit surfer sur une vague estivale de douceur, votre nouvelle routine beauté. Voilà, vous voyez, c'est celle-là. Et donc, il y a les produits suivants dedans. Donc, toujours pareil, les petites cartes qui vous donnent tous les renseignements sur les produits qui se trouvent à l'intérieur de la box. Ça, c'est vraiment bien parce que comme ça, ça vous donne tous les ingrédients, la manière dont vous devez les... D'ailleurs, celle-là, je vais le garder à part. La manière dont vous devez l'utiliser ou matin, ou soir, et ou soir. Et dans cette box, il y avait également une boîte Nature Active, règles douloureuses bio, gélules bien-être, des laboratoires Pierre Fabre. Voilà, il y avait cette boîte à l'intérieur. Bon, moi, vous vous doutez bien que les règles... C'est l'histoire très ancienne. Donc ma fille est partie avec, mais elle n'est pas partie pour elle, elle est partie pour ma petite fille. Donc elle est partie avec. Donc j'ai plus la boîte, mais il y a quoi dedans? De l'achillée millefeuille, de grande camomille. Alors, conseil d'utilisation à tout moment de la journée en cas d'inconfort lié à la période menstruelle. Voilà, il y avait ça dedans. Et donc il y avait également un shampoing douceur au monoï de Tahiti à l'huile de coco brute. Regardez. Je pense que c'est operculé. Oh, ça sent le coco. Ah, ça sent bon. Ensuite, nous avons ici sorbet fondant après soleil, nourrissant à la vitamine E. Oh là, c'est une crème, hein. Ça sent bon, c'est discret, mais ça sent bon. Donc après soleil, je finis mon café.
Ici, on a un masque visage après. Ah, c'est après soleil, j'aurais préféré avant, mais bon. Voilà. C'est donc pour le visage. Appliquer deux fois par semaine et le masque sur le visage en couche semi-épaisse. Laissez poser 5 à 10 minutes, puis rincer à l'eau claire. Nous avons ici un spray soin protecteur cheveux biphasé. Zen Beauty. Vous voyez, un petit spray. Ok, et pour finir, une crème solaire indice 30 Summer Body. Donc, c'est pour plus pour le corps. Protège protège votre peau. Donc, sympa. Donc, je suis très contente de ma pochette, mais pas que, parce que pendant les congés, pendant les vacances, avec ma fille, on cherchait partout, l'occasion, quoi. On a fait deux magasins Lidl, je sais pas quoi faire, j'ai juste lavé mes cheveux, c'est tout, parce que je cherchais le dupe du parfum de Cacharelle. Yes, I am. Et j'avais vu tourner sur les réseaux qu'ils avaient fait un dupe chez Lidl, This Is It. Et ma fille, quand elle est venue dimanche, elle m'a fait la surprise, elle m'a acheté l'autre parfum, justement. Je lui ai dit, t'es folle, moi je cherchais le dupe, parce que bon, je sais que ce sont des parfums qui coûtent un rein. Et regardez, s'il est magnifique, en forme de rouge à lèvres, il est superbe. Alors vous avez le raisin, mais le raisin en fait c'est le pchit-pchit. D'ailleurs je vais en mettre parce que j'en ai pas mis ce matin. Et il sent trop bon. Il sent trop trop bon. Vraiment merci encore parce que je m'y attendais absolument pas, mais absolument pas. Il est magnifique quand même. Le packaging est superbe. T'as fini ta fenêtre? Je vais aller faire la mienne moi. Voilà donc j'étais trop contente. Il est vraiment trop beau. C'est vraiment une belle surprise parce que je m'y attendais absolument pas. Et donc aujourd'hui, lundi, il fait moins lourd, je trouve. Oui, il fait 22. On est quand même descendu de au moins 5 degrés, quoi. Il faisait vraiment plus chaud ce week-end. Minoucha n'est pas venu ce matin. Il est venu ce week-end. Il est venu hier, mais il n'est pas venu encore ce matin. Il traîne. Et puis donc cet après-midi, on va aller chez Action. Il faut qu'on rachète entre autres les éponges blanches, là, les éponges magiques. Et puis, bon, on va faire notre tour parce que ça fait un moment qu'on n'y a pas été. On a été passé en vacances, il y avait un Action, on y avait été, mais juste pour acheter des tue-mouches, là. Vous savez, Des tortillons. On était parti en acheter. Et puis. Des trucs anti-moustiques. Donc on avait été pour ça. Et donc on avait juste jeté un œil dans le magasin, mais on n'avait rien acheté sincèrement. C'était juste pour ça, pour les mouches et les moustiques. Parce que chérie s'était fait piquer à plusieurs reprises. Donc on a acheté une prise électrique, etc. Donc là, je vais vraiment avoir plaisir d'y aller. Bon, je me doute qu'en ces périodes de vacances, il ne va pas y avoir beaucoup de nouveautés. Mais moi, j'aime bien aller faire mon petit tour. Et là, ça fait un moment hein, qu'on y a pas été. Hein. Parce que déjà 3 semaines de vacances et bon, peut-être une semaine avant, ça fait bien un mois qu'on n'a pas été faire notre tour. Et puis cette semaine, on va, alors je ne sais pas quand, peut-être demain, peut-être après-demain, on verra. On va passer la commande chez le Roi Merlin pour refaire notre salle de bain. Parce que on est allé la semaine dernière, on est allé chez Castorama. Franchement, on préfère et de loin. Aller chez le Roi Merlin, c'est galère pour trouver chez Casto, tout est mis, je sais pas, on n'arrive pas à se projeter, à trouver ce qu'on a besoin, il faut faire 50 fois le tour du rayon pour trouver, enfin, on est tombé sur un type qui était hyper vendeur, parce qu'on se renseignait pour un radiateur sèche-serviette, et il nous a vraiment bien expliqué, rendons à César. Mais sinon, le reste, les baignoires, c'est exactement les mêmes qu'on trouve chez Leroy Merlin. Alors, j'ai pas envie d'aller passer 50 commandes. On va aller chez Leroy Merlin, on va tout booker là.
Parce qu'on est allé aussi à Brico Dépôt, mais alors là, c'est au secours. On regardait les portes de cabine de douche, là, de douche, les portes de douche, mais c'est mission parce qu'il y a un bordel devant, il y avait un rack plein de cartons. Enfin, j'ai dit, allez, on s'en va, c'est pas la peine. C'était vraiment la foire chez Brico Dépôt. Donc, c'est pas grave, on va tout faire, on va faire notre liste, on va aller chez. Normalement, chez Leroy Merlin, ce qu'on a regardé, c'était en stock. Donc, on va déjà tout commander, on va se faire livrer parce que baignoire, douche, carrelage, robinetterie, tout, on ne rentrera pas dans la voiture. Donc, on va tout se faire livrer, on va tout mettre au sous-sol et puis après, on va attaquer la dépose de la baignoire, du meuble, enfin, tout ce qu'il y a déposé, quoi. Donc, ça va nous demander un petit moment. Quand on l'avait fait, on avait refait notre salle de bain dans la maison où on habitait avant. Ça nous avait pris, bon, on travaillait encore, hein. On avait posé une semaine de vacances, donc on avait commencé le week-end, toute la semaine, et on avait fini le week-end suivant, quoi. Donc ça nous avait fait une petite dizaine de jours de travaux. Là, on va y aller piano, hein, on n'a plus 30 ans. Je ne sais même pas si on avait 30 ans. Oh non, on avait, on avait 20 ans de moins. Oui. Allez, 20 ans de moins. Mais donc là, on va prendre notre temps. Chérie va étudier tout ça et puis ça va le faire. Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller faire ma fenêtre de dressing à nettoyer. Et puis, ben, on se reprend sûrement après action. À tout à l'heure. Finalement, changement de plan. Chérie m'a dit, écoute, laisse tomber la fenêtre parce que là, elle est en plein soleil, la fenêtre du dressing. Donc, il m'a dit, je la ferai demain parce que là, il fait trop chaud. Vous voyez, le soleil tape sur les carreaux. Il m'a dit, j'ai déjà galéré, moi, j'ai eu chaud. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, ben, je vais faire mes carreaux parce que cette fenêtre-là, on l'a faite la semaine dernière, enfin, l'entourage. Donc là, je fais les carreaux de celle-ci. Ouh, allez, je continue. On revient de chez Action, il est 3h moins le quart. Chérie est parti faire une partie de pétanque. Il a vu ses potes devant, donc il a dit j'y vais. Je prends mon café, je n'avais pas pris après manger. Donc on revient chez Action, comme je m'en doutais, il n'y avait pas énormément de choses. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Des éponges magiques. Parce que je cherchais de l'alcool à brûler. Et des éponges magiques et de l'alcool à brûler, j'en ai pas trouvé. C'est de l'alcool ménager là. Parce que moi je fais mes carreaux avec ça, enfin, vous l'avez vu ce matin, quand ils sont vraiment très sales, je mets de l'eau, un pchit de produit vaisselle et puis un demi-verre à peu près d'alcool à brûler ou d'alcool ménager là. Et là ce matin, je me suis rendu compte qu'il reste presque plus rien dans ma bouteille d'alcool ménager. Donc on a regardé, j'ai pas trouvé. Par contre, j'ai pas regardé pour les éponges magiques. C'est pas grave. J'ai pris un papier comme ça, de un peu style. Je cherche mes mots. Comment on dit planche en bois, là, vous savez. Et ça, c'est pour mettre en guise de tête de lit. On n'a pas de tête de lit. Et ce qui fait que notre papier blanc derrière notre lit, il est souvent taché parce qu'on met nos mains, parce qu'on met notre tête, enfin bref. Et je me suis dit que j'allais mettre ça un peu comme des... Je sais pas le nom. J'ai cérusé en tête, c'est pas cérusé. Vous savez, des lattes de bois comme ça. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça. On allait... Et ça, c'était 9... Ah bah attendez, j'ai pris ma carte... C'était 8,99€ le rouleau de papier. J'ai pris la colle pour aller avec. À 2,89€. Vous savez, c'est la colle UU. Hein. J'aurais même dit que c'était bien. J'ai pris. J'ai pris des petites boissons. Oh
Voilà, j'ai l'impression qu'il y en a une qui a fui. Oui, c'est pas qu'une impression, regardez, le carton est mouillé. Je mets dans l'évier, hop. C'est pas la première fois que ça nous le fait. Je crois que la dernière fois qu'on en avait acheté, on avait déjà une fuite. C'est un peu la galère, ces trucs. Alors, dans l'ordre du ticket, donc ça, les troupies, là, les 8, c'est 1,95. Ah ouais, ça, j'ai pris. Moi, j'ai la gamme shampoing plus après shampoing, la marque Inecto. Vous savez, la gamme violette pour les cheveux blonds, pour éviter que le blond vire au jaune. Donc là, je n'ai pas le masque, j'ai dit je vais le prendre. Là, comment ça se présente. Et le masque Inecto violet, il a 2,49. Tout est mouillé, mais du coup, j'ai repris des petites serviettes de luxe à 1,29. C'est écrit de luxe, hein, j'ai rien inventé. Je me suis pris un livre de détente multi-jeux, mots croisés, sudoku, bref. Ça, un petit livre 1,79, c'était dans les promos de la semaine. Des petits élastiques, parce que ceux-là, l'autre jour, j'ai voulu me faire plusieurs petites queues comme ça. Et dès que j'en prenais un et que je le mettais entre mes doigts, il pétait en deux. J'en ai pété trois d'un coup, j'ai dit lâche l'affaire, ils sont vieux. Ça se garde pas, a priori, j'étais étonnée. Donc là, j'ai pris blanc et noir. Et ça, c'était combien? Élastique cheveux, 0,99. Et il y en a un paquet. Hein. Et puis, j'ai pris deux. Je vais nettoyer mon sac, parce qu'il est mouillé au fond. J'ai vu ça. Alors, je sais pas si c'est nouveau ou quoi. Moi, c'est la première fois que je les vois. Ça fuit. Je vais enlever l'autre sac qui était dedans. J'ai pris deux repas. Alors, je vais mettre la serviette. Alors, j'ai pris celui-ci, c'est tortellini, ricotta, épinard. Celui-ci sera plutôt pour moi. Et j'en ai pris un deuxième, fusilli, pesto. Et c'était 1,89. 1,89. Repas rédit de 2 hits. C'est pas les mêmes a priori. J'en ai un 1,25 et 1,89. Tortellini, c'est 1,89. Et ceux-là, c'est pas les mêmes, 1,25. Voilà, j'en ai eu pour 23,50€ pour vous dire que il n'y a rien qui m'a interpellé. Mon café, ça me manque si je prends pas mon café après déjeuner. Ce matin, j'ai fait mes vitres de ma chambre et du petit bureau, du coup. Comme chéri m'avait nettoyé les fenêtres, alors demain, il doit me nettoyer les autres. Je vais nettoyer mon sac, il y a du jus d'orange, je sais pas quoi. Bon, du coup, comme je suis toute seule, ah, quand on est parti, on prenait la voiture. Qui on voit passer nos chalins, notre Minoucha. Et alors, il passait juste devant, là, comme ça. Il allait derrière, en fait. Et on l'a appelé. Alors, il s'est même pas retourné. Rien à faire. Rien à faire, rien à faire de nous. Donc, du coup, on est parti. Je sais pas si ça va revenir, on verra bien. Bon, je vais ranger tout ça, je vais nettoyer parce qu'il y a du jus là qui a coulé partout. Et puis du coup, comme je suis toute seule, que je suis répartie, je vais en profiter pour faire du DP. Au calme, il fait encore chaud. Hein. Il fait 28 degrés là. On sent bien qu'il fait chaud. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Je vous montre. Donc, je suis trop contente de moi. J'ai fait les deux papiers qui sont là, là. Et c'était là et là. Donc, j'ai fait cette partie-là. Oh, je suis trop contente, j'ai bien travaillé. Il me restera cette partie là demain et après bah, les trois du dessous. Ah, ça avance hein. Bah, si je veux le finir, faut vraiment que je m'y mette quoi. Mais c'est trop long, ça demande des plombes à faire ça, mais le résultat en vaut la peine quand même.
Bon, ben voilà, il est 6h moins le quart, j'arrête. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et nous on se retrouve demain. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est mardi 23 juillet. Et ça passe trop vite, 23 juillet. Café de bienvenue. Fait meilleur, il fait plus respirable là. On a mieux dormi cette nuit, il fait 24. C'est encore beaucoup, mais au moins il y a de l'air. C'est quand même beaucoup plus appréciable. Il fait moins chaud. Ce que j'ai oublié de vous dire. Donc aujourd'hui, mardi, normalement le mardi, il y a une vidéo qui sort. Ce que je vais faire pendant tous les congés, quoi, jusqu'au mois d'août, je vais me tenir à deux vidéos par semaine. C'est-à-dire vous aurez une vidéo dans la semaine, alors soit le mardi, soit le vendredi, mais je pense plutôt le vendredi. Et puis vous aurez le weekly le dimanche, comme d'habitude. Alors les weekly seront certainement moins longs, enfin je pense, à chaque fois que je dis ça, ils font 1 heure. Parce que bon, on va plutôt être dans la phase organisation pour les travaux de la salle de bain, on va en profiter. Mais bon, on verra au fur et à mesure, mais je ferai pas 3 vidéos par semaine. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Là, ce qu'il faut que je vous propose, c'est la vidéo All She In, que j'ai tournée, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Non, la semaine dernière, il me semble. C'était mercredi dernier, je crois que je l'ai tournée. Donc, elle est montée. Il n'y a plus qu'à la poster. Donc, je pense que je vous la posterai ce vendredi. Donc, vous l'aurez déjà vue, en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, hier, oui, on est allé chez Action. Et j'ai oublié de vous en parler. Bon, j'ai pas trouvé grand-chose, mais je m'en doutais un petit peu. Par contre, il y a une nouveauté. Je pense que c'est une nouveauté. Je ne l'ai jamais vue. C'est une casserole en céramique. Et comme vous avez été beaucoup à me demander si j'étais satisfaite de la casserole en céramique que j'ai reçue de la marque Kiara, effectivement, elle ne colle pas, elle n'adhère pas. À chaque fois que j'ai un reste, que ce soit de légumes, de viande, plutôt que de faire au micro-ondes ou faire à la poêle en rajoutant un peu d'huile, je mets directement dans cette casserole. Je le mets à feu doux, je mets le couvercle. Et je laisse réchauffer, c'est vraiment un petit bonheur ces poêles enfin cette casserole en céramique. Donc tout ça pour vous dire que j'en ai vu chez Action hier, j'ai filmé, elles sont à 7,95 et dans mon Action il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais il y avait 2 couleurs, il y avait gris et rose il me semble. Elles étaient vraiment pas mal. Bon moi j'en ai pas racheté puisque j'en ai une et ça me suffit largement. Si c'est pour encombrer mon tiroir, il n'y a aucun intérêt. Mais à 7,95 je pense que ça vaut le détour. Et elles étaient tout feu. Induction, électrique, gaz, enfin j'avais regardé justement exprès, je voulais filmer. Je vous mettrai le petit film ici, il ne dure pas longtemps, c'est juste pour vous montrer. Je crois que c'est la seule chose que j'ai vue de nouveauté dans mon Action. Donc je pense qu'il est partout, partout, il y en a partout quoi. Nous, on va falloir qu'on y retourne parce que hier dans mon Action, c'était vraiment, il n'y avait pas grand-chose. Et on en a regardé pour de l'alcool ménager, on n'en a pas trouvé. On a regardé également pour tout ce qui va concerner les travaux, on préfère acheter en avance, mais des bâches de protection pour mettre dans l'escalier, sur le palier pour pas abîmer quoi. On n'a pas trouvé non plus. Je voulais regarder pour acheter des lunettes de chantier. Vous savez, parce que quand on va casser le carrelage, je préfère avoir des lunettes pour pas prendre de risques. Et vraiment, dans mon Action, le rayon bricolage, il n'y avait pas grand-chose dedans. J'étais vraiment surprise parce qu'aujourd'hui, on trouve tout. Là, ils avaient vraiment axé sur tout ce qui était saisonnier, quoi. Et même, ils commençaient à installer les décorations d'automne. Bref, on va pas revenir là-dessus, hein. Ça c'est Noël, ce sera au mois de septembre, hein. Je vous préviens tout de suite. Enfin, voilà ce qu'il en est. Ce que j'ai préparé ce matin, c'est mon poulet tikka masala. Je vous l'avais dit, j'ai acheté un livre, il est ici, pour cuisiner à Ijeba à l'air fryer. Comme ça, on fait 2 pierres 2 coups. Et donc j'ai préparé mon poulet tikka masala. Là, il est en train de mariner dans le frigidaire. J'ai fait la sauce, etc. Et ce que je fais, je vais vous filmer au fur et à mesure. Et puis je ferai une seule vidéo regroupant, je crois que j'ai prévu 5 ou 6 recettes. 1, 2, 3, 4, 5, enfin 6, mais j'ai déjà mangé et j'ai pas filmé. Bref, vous aurez 5 recettes. Il y a 2 sucrés, 2 salés et un trio de légumes.
Donc comme ça, je vous ferai une vidéo spéciale recette à l'air fryer à IGBA. Ça peut intéresser. Par contre, je ne vous ai pas dit par rapport à mes congés, comme tous les ans en vacances, j'ai envie de vous dire, je me lâche. Hein, c'est-à-dire, mais j'avais prévenu de ma diététicienne en lui disant que moi, en vacances, je fais attention. C'est-à-dire, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas mangé une seule glace. Voyez, alors que moi, les glaces, je sais que si je commence, je ne peux pas m'arrêter. C'est vraiment... J'ai pas mangé de glace, j'ai pas mangé de chocolat. On a mangé un Queen Amman. Un. Et ça, c'est pas light du tout. Mais prenez l'apéro, vous voyez, des trucs comme ça. Ça, moi, pendant les vacances, c'est un peu en libre. Voilà, je fais attention, mais pas trop. Et avec ma fille, on s'est vraiment fait plaisir. Et elle me dit, moi, je vais me peser en rentrant. Je préfère, etc., pour savoir s'il faut que je redresse. Bon, ma fille n'a pas de problème de poids, hein, je vous rassure. Hein. Mais elle fait attention. Et je dis, oh non, non, moi, ce que je vais faire, je vais attendre une semaine. Comme ça, je vais laisser la semaine passer. Comme ça, je vais couler peut-être les kilos que j'ai pris. Et puis finalement, on est rentré donc le samedi soir. Et je me suis pesée le lundi matin à jeun. J'ai pris 1 kg. 1 kg, comme quoi j'ai été raisonnable. Et donc j'ai appelé ma fille tout de suite pour lui dire, tu sais, finalement j'ai pas attendu. Et ben elle me dit, moi aussi j'ai pris 1 kg, c'est tout. Alors ça prouve qu'on a quand même été raisonnable dans l'abus, enfin pas dans l'abus, mais dans le plaisir. Donc je suis contente. Donc là, ben, on reprend les recettes à IGBA. Et puis, bon, je ne me suis pas repesée depuis, hein. Je sais que j'ai 1 kg à perdre, et puis c'est tout, je ne veux pas me prendre la tête, on est encore en vacances. J'ai ma batterie qui flashouille, pour ne pas changer, donc je vais vous laisser, et puis la chérie est partie pour une révision de la voiture, et il a été contacté par Nissan pour faire un contrôle, je ne sais pas quoi, enfin bref, il est allé. Et puis, bah, quand il rentre, on va manger. J'allais dire, on va dîner. Non, non, on va déjeuner. Et puis, cet après-midi, je ne sais pas si on va aller chez le roi Merlin pour passer la commande de tout ce dont on a besoin pour faire la salle de bain. On verra ça cet après-midi. Allez, je vous laisse et on se reparle plus tard. Alors, je vous reprends. Il est 4h moins le quart. Donc on est parti tout de suite après avoir déjeuné chez le roi Merlin, mais on a mangé le poulet tikka masala que j'ai fait à l'air fryer, c'était trop trop bon. Je vous mettrai, j'ai pris une photo là, je vous mettrai là dans le petit encart. Donc chéri, il l'a mangé lui avec du riz, moi le midi je ne mange pas de féculents et moi je l'ai mangé donc avec des légumes. Et ce soir, je remangerai du riz et des légumes avec la sauce. Et donc après, on est parti chez le roi Merlin. Donc, on a passé la commande, il y a passé du temps, hein. On a passé la commande de tout ce dont on a besoin, enfin les gros éléments dont on a besoin pour refaire la salle de bain. Bon, ben on a pété le budget. On a explosé le budget, mais bon, je m'en doutais. Moi, je m'en doutais. Chérie lui pensait moins. Mais du coup, on a tout mis, vraiment tout. Il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et c'est le conseiller de chez Leroy Merlin qui nous y a fait penser, hein, comme les bondes, le vidage, enfin, plein de choses comme ça que nous, on n'avait pas pensé, forcément. Alors, on a baignoire, tablier de baignoire, receveur, cabine de... Enfin, porte de douche, paroi de douche... robinet de baignoire, robinet de douche, on a le meuble de salle de bain, on a le robinet de salle de bain, de lavabo, pardon. Par contre, j'ai pas pris le miroir parce que celui que je veux, c'est un miroir triptyque. Non, il est à 720 €, j'ai dit non, on va réfléchir, je vais regarder ce que je peux trouver moins cher, parce que là c'est vraiment trop trop cher. Bon, il me manque que ça, on a le carrelage pour faire la douche, parce que on a choisi, pour faire toute la salle de bain, on a choisi un carrelage 30 par 60, donc c'est
un gros format, donc ça monte vite pour le reste de la salle de bain, mais pour la douche, c'est impossible. 60 cm, ça va faire, vous voyez, on a 75 cm de large. Il va falloir un carreau plus un tout petit bout, donc ça va pas être joli. Donc on est parti sur un carreau un peu comme le format métro, mais doublé, si vous voulez. C'est 7,5 par 15. Donc c'est un côté un peu façonné comme ça, c'est pas lisse, disons. Donc on a pris ça, donc on a tout, le carrelage de sol est fait bois, comme le meuble. Le meuble c'est en bois, en chêne cérusé un peu, clair. Donc on a tout pris, il nous restera après, nous aller chercher, c'est la colle pour le carrelage. Quand on va avoir besoin de faire de la plomberie, mais ça c'est chéri qui dira, moi j'y connais pas grand chose, voire rien. Mais au moins, on s'est fait tout livrer et on sera livré le 12 août parce que il y avait un élément, tout, pratiquement à 90%, tout était en stock. Il n'y avait qu'un truc qui était en livraison, en commande pour le 10. Et je ne sais plus ce que c'était. Le meuble, je crois. C'est ça. Hein, il y a le meuble qui n'était pas en stock, ou alors il fallait aller le chercher à Gonesse, je ne sais pas où. On a dit non, on va pas commencer à partir dans tous les sens. On va tous faire livrer en même temps le 12 août. Donc, ce qu'il faudra la semaine précédente, bah, c'est tout casser, quoi. Et il faut ranger le sous-sol parce qu'il va falloir tout stocker au sous-sol quand ils vont venir nous livrer. Bon, enfin bon, ça avance dans le projet, c'est déjà le plus important. Et là, il est 4h-10. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas. Rien. Rien, c'est bien aussi, rien faire. Est-ce que je me mets sur mon DP? Est-ce que j'ai bien avancé hier? Je vais voir. J'ai soif, ça c'est sûr, je vais boire. Bon, je vous laisse. Parce que là, il ne va rien se passer. Hein. Je vais pas cuisiner ce soir parce qu'on a ce qu'il faut. Donc, vraisemblablement, on se retrouve demain. Allez, à demain. Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, on est mercredi, je ne sais pas combien. 24. Je ne vous ai pas repris ce matin parce que ce matin, on a terminé Chérie a terminé de laver la dernière fenêtre qu'il y avait à faire, c'est celle du dressing. Donc, moi, j'ai fait les carreaux. J'ai rangé un peu la maison, enfin bref. Je vous ai tourné une petite vidéo avant de la salle de bain, avant qu'on fasse les travaux, comme ça je vous ferai une vidéo où on fera le avant et le après les travaux. Donc là, aujourd'hui on va recevoir deux plombiers qui vont venir nous faire des devis pour les devis pour la salle de bain. Pas pour la pose des meubles et tout ça, vraiment de la plomberie, tout ce qui est alimentation, d'eau, etc. Et donc on en reçoit deux cet après-midi. Là je me suis en train de me dépêcher parce que je suis pas en avance. Il est midi juste. Je suis en train de faire réchauffer mon poulet tikka masala que j'ai fait hier, hein, qui était très bon. Un tantinet trop épicé, j'ai mis trop de piment. Je vais vous montrer. Donc pour l'adoucir, ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai rajouté un peu de crème fraîche à 4% pour adoucir un peu, parce que non, hier j'étais obligée de manger du pain derrière pour éteindre le feu. Donc là c'est en train de chauffer tranquillement. Donc là je l'ai mis dans ma petite casserole en céramique, j'adore, parce que franchement il n'y a pas besoin de rajouter de gras pour pas que ça colle, c'est vraiment très bien. Et puis à l'air fryer, j'ai préparé un trio de légumes un peu en forme de frites. Il y a quoi? J'ai vu qu'il y avait du panais. Ça vient de chez Picard. Hein. Betterave. Alors attendez. Betterave, carottes et panais frits. Donc ça, c'est en train de cuire à l'air fryer. Et puis, ben, on va manger parce que le premier plombier arrive à 14h. Donc on va déjeuner. Comme ça, le plombier arrive à 14h. Le deuxième arrive à 16h. Donc aujourd'hui, on ne bougera pas. Moi, je voulais aller chez Action pour acheter de la bâche, des sacs à gravats, etc. Mais ça peut attendre, hein, parce qu'on va attaquer vraiment les travaux début août, puisque la livraison n'interviendra que de l'Envoi Merlin n'interviendra que le 12 août. Donc
n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de feu ou là, comme on dit. Donc je finis de préparer, je vous montrerai à l'assiette éventuellement ce que ça donne. Et puis on se reparlera dans le courant de l'après-midi. À tout à l'heure. Bon ben voilà l'assiette de ce midi. Donc mon poulet tikka adouci à la crème avec un trio de légumes frits. Bon appétit. Alors je vous reprends, il est... Ouh là, je crois qu'il était 5h30, mais non, il est 6h20. On n'est pas sorti cet après-midi parce qu'on attendait la visite de deux plombiers, comme je vous avais dit ce matin. Alors il y en a bien un qui est venu à 14h et il va nous faire un devis. Et celui qui devait venir à 16h, on ne l'a pas vu. Voilà. Donc moi je l'attendais, je me suis mis sur mon DP de mon ange. Donc j'ai bien avancé, je vais vous montrer. C'est rageant, hein, les gens qui vous font donnent des rendez-vous puis qui viennent pas. C'est d'un pénible. Vous voyez ce que je suis en train d'attaquer les trois bandes du bas. Ici, il me restait une ou deux bandes, je sais plus. J'ai terminé. Donc là, la troisième bande que je suis en train de faire, vous voyez. J'ai plus que... Ah ! Voilà, il me reste cette partie-là à faire. Je ne sais pas si on voit bien. Et puis un petit bout ici. Je vais zoomer un peu plus. Voilà. J'ai un petit bout ici à faire et puis cette partie-là. Et puis il me restera les deux du haut, mais après j'arrête. Parce que j'ai bien avancé aujourd'hui. Hein. J'ai bien avancé. Donc je vais finir ces petits trucs là. Puis on va arrêter après. Moi j'arrête à 6h de toute façon. Donc c'est parti. Voilà, on va attaquer ce côté là. Bon, je vais couper, c'est pas la peine que je me fasse plus long, je fais encore un quart d'heure puis j'arrête. Donc je vais vous laisser là et puis je vous souhaite une bonne soirée et nous on se dit à demain. Bonjour à tous et bon vendredi 25 juillet, café de bienvenue. Ça fait du bien. Bon, ben hier, comme vous l'avez vu, j'ai bien avancé sur mon DP de Diamond Painting. Je suis trop, mon DP de l'an, je suis trop contente parce que je l'avais laissé tomber avec les vacances. En revenant, j'avais pas trop l'envie de m'y remettre. Puis finalement, le fait d'avoir recommencé, ça m'a boosté. Bon, hier, on a eu un lapin. Hein. Il y a un plombier qui n'est pas venu sur les deux. Le premier nous a envoyé son devis. Voilà, donc chérie va rechercher un autre devis, qu'on est moyen de comparaison. Et puis, comme ça, on va pouvoir commencer à ranger la salle de bain. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vider le meuble. Parce que c'est un meuble d'1m40. Imaginez tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Il y a un côté, c'est tout ce qui est médicaments, soins. L'autre côté, c'est tout ce qui est stock de salle de bain, quoi. Stock hygiène et compagnie. Donc je vais déjà le vider parce qu'il va falloir enlever ce meuble pour pouvoir accéder au radiateur et retirer ce radiateur qui lui ne va plus être là, mais bref, à l'endroit actuellement où il y a le radiateur, justement je voudrais mettre ma baignoire sous les deux fenêtres, donc il faut virer ce radiateur là, enfin bref. Sinon je voulais vous revenir sur un bon plan parce que j'en ai profité moi-même pour les nounours vitaminés, vous savez, les compléments de chez Bears with Benefits. Donc actuellement sur le site, vous achetez deux produits, enfin vous mettez trois produits dans votre panier et le troisième est offert. En fait, vous en avez payé deux, vous en avez trois. Donc automatiquement, vous mettez donc trois produits dans votre panier et le moins cher des trois sera offert. Donc moi j'en ai profité parce que on n'a plus de snooze, vous savez, pour dormir, ça y est, la boîte est terminée, donc j'attends ma commande, avec mon code, donc Christy YouTube YT20, j'ai eu 9€ de remise, donc c'est quand même intéressant, hein. Je vous le dis parce que j'en ai profité moi-même.
Chéri revient de la jungle. Là, il a été jeté des trucs qu'on avait dans le sous-sol qui traînaient parce que là, il faut absolument qu'on libère de la place dans le sous-sol. Donc, je voulais vous revenir sur ces gummies-là, ces goddess, non, golden goddess tan avec vitamine. Alors, vous voyez, moi, j'entame la deuxième boîte. Alors, c'est foncé à l'intérieur, je ne sais pas si vous verrez. La première, je l'ai terminée. Et en fait, moi, la dernière fois, je vous en ai parlé, ça faisait 3 semaines que je les prenais et je n'avais pas vu une grosse différence. Et là, j'avoue que le fait d'être partie en vacances, la première semaine, on a eu relativement beau temps. Donc, on a pu profiter effectivement de la piscine, etc. La deuxième semaine, on n'a pas profité du tout parce qu'il faisait pas beau. Et là, la troisième semaine qu'on est rentré. Bonjour. Alors, ça y est, t'as fait du vide. C'est fait. Bon. Et donc, la semaine dernière, on est rentré, il faisait pas beau. Donc, mais je reconnais que j'ai gardé le peu de bronzage. Alors, ça a dû accélérer. Le fait que je les prenne en amont pendant 3 semaines, parce que quand je suis partie, finalement, j'ai bien bronzé. Et ma fille m'a dit, oui, en 3 semaines, c'est trop court. Elle dit, elle les prenait depuis plus d'un mois. Et effectivement, elle m'a dit, au bout d'un mois, là, on voit les bénéfices des gummies, quoi. Alors, ben, il faut en prendre 2 par jour, donc je vais en profiter, je vais les prendre. En plus, ils ont bon goût, ils ont un goût de chewing-gum. Un goût d'orange, ils sont très bons. Tannine complexe, donc c'est un accélérateur de bronzage puisqu'il y a de la carotène. Ah, attendez, je vais regarder ce que j'ai plus en tête parce que ça fait un moment maintenant que je les prends. Il suffit de soulever la petite étiquette qui est là pour avoir accès à toutes les langues. Donc là, on a 60. Donc, les vitamines C et E contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Le calcium joue un rôle dans les processus de division et de spécialisation cellulaire. Le cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau. C'est sans sucre. Prendre 2 comprimés par jour. Donc, voilà, c'est fait. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit en mastiquant. Et ce que je prends également, c'est ceci. Bon, celui-là, j'en ai presque plus. Mais j'en ai vraiment presque plus. Hein. Voilà, la boîte est presque vide. Et ça, c'est pour les cheveux et les ongles. J'ai toujours pas refait mes ongles. Là, ils sont toujours au naturel. Je continue le traitement avec le produit de durcisseur d'ongles. Celui-ci, c'est You Nail It. Nail et Air, vitamine à la kératine. Et cela, par contre, il faut en prendre 4 par jour. Donc la boîte, elle diminue fortement. Normal, c'est la kératine. Donc, et celui-ci qu'on prend tous les soirs et qu'on a terminé hier. Donc, voilà, on attend la petite commande qui doit arriver. Sinon, aujourd'hui, on va peut-être en profiter pour aller faire notre tour chez Action pour acheter ce dont on a besoin pour les travaux. Vous savez, je vous avais dit une bâche, des sacs à gravats, des gants, des lunettes de protection. J'en passe et des meilleurs. Voilà, on va commencer déjà à vider la salle de bain et après on attaquera à enlever la baignoire. Mais ça, on le fera début août parce que on ne sera livré que le 12 août. Donc, on ne va pas rester 12 jours supplémentaires sans prendre de douche, quoi. Donc, la baignoire, on l'enlèvera vraiment 2 jours avant la livraison. Je crois que c'est un lundi, mais on l'enlèvera le week-end qui précède, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Il est 11h déjà. Ça passe trop vite le matin. Donc ben, je vous reprends vraisemblablement pour vous dire si on a trouvé notre bonheur chez Action. On va changer de magasin parce que celui où on est allé l'autre jour, il n'y avait rien. Enfin, rien au niveau bricolage. Après, il y avait des choses, mais pas ce qu'on voulait. Donc je vais vous laisser, je vous reprends cet après-midi maintenant. Allez, à tout à l'heure. Ah oui, je voulais vous dire, pour profiter de la promotion, donc
vous en prenez 3 dans votre panier et le moins cher sera offert. Mais profitez également de mon code qui est ChristyYT20 qui vous donne droit à 20% et c'est cumulable avec les offres actuellement sur le site. Donc profitez-en. Moi j'en ai profité, alors profitez-en également. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, on est revenu. On revient tout juste de course, donc on est allé chez Action. On a trouvé 2 trucs, c'est tout. On est allé au nouveau normal là qui s'est ouvert pendant qu'on était en vacances, début juillet. Je bois un coca, j'ai trop soif. Tellement longtemps que j'ai pas bu de coca. Donc on est allé chez Normal, je vous montrerai tout ça après. Et après, je suis allée à la bijouterie parce que la dernière fois on avait acheté deux bagues, c'est en février. Donc ça devait être pour la Saint-Valentin, mon bébé. Oui, ça devait être ça. Chérie s'était pris une bague aussi, qu'il ne met pratiquement jamais parce qu'elle le gêne. Et puis un bracelet. Et moi j'avais une bague que j'avais à l'index là, qui avait perdu tout son plaquage. On voyait le cuivre en dessous, quoi. Alors que celle, l'autre d'à côté, qui est exactement, je l'ai acheté le même jour, celle-ci n'a pas bougé derrière, elle est encore toute dorée. Donc, ils n'ont fait aucune difficulté. Ils n'avaient pas le modèle que j'avais, mais ils voulaient m'envoyer à je ne sais pas trop où. Trou du cul du monde, j'ai dit laissez tomber, c'est pas grave, j'étais pas particulièrement attachée à ce modèle. Donnez-moi une autre. Donc, du coup, j'ai pris celle-ci, je la trouve très jolie. Oui, c'est celle-là. Ah, je focus, voilà, vous voyez, elle est belle, hein. Donc, fais ça, et puis après, on est parti chez Lidl, faire 2-3 courses pour ce week-end, et puis je vais faire un drive. On en a eu pour 100 € chez Lidl, je vous mettrai les prix au montage, parce que la dernière fois, je vous avais fait un retour de course, et vous m'avez dit que ça vous manquait, que je ne mettais pas les prix. Parce que là, je ne vais pas faire une vidéo spéciale retour de course du fait que pendant les vacances, là, juillet et août, je vais me contenter de 2 vidéos par semaine. Donc, je vais vous montrer les surgelés. On a pris des glaces sorbet. Je ne sais pas si j'ai déjà goûté citron et citron vert. Donc, j'en ai pris qu'une seule boîte. Par contre, ceux-là, je les adore à la fraise. J'en ai pris 2 boîtes. Voilà, comme ça, c'est cela. Je vais pouvoir les manger. Ensuite, là, j'ai pris des légumes en surgelé. J'en ai plus beaucoup. J'ai pris un trio de poivrons. C'est quoi ça? Oh, chérie s'est pris des croissants. Et j'ai pris 1 kg de haricots verts fins. Et puis, lui, chérie s'est pris des frites. Voilà, donc ça, on va pouvoir les ranger. Parce qu'il fait très chaud. Voilà, ça, c'est les surgelés chez Lidl. On va continuer avec Lidl, hein, puisque je suis dedans. Un kilo de café en grains. Ça va tomber. Oui, là, on a vu ça. Chérie se prend tout le temps des tranches de jambon fumé. Et là, j'ai vu... Mais tu sais, j'ai pas fait attention. T'as la planche et le couteau dedans. Avec couteau et planche à découper. Donc, il s'est pris un gros jambon. Enfin, un gros, je sais pas, il fait 1,1 kg de jambon serrano à découper nous-mêmes. Du lait d'avoine pour faire nos cafés glacés. Et du lait d'amande. Bon, un jus d'orange sans pulpe. 2 fois des yaourts à la grecque au citron, donc ça en fait 8. Une ratatouille bio. 3 croissants pour le petit déjeuner de chérie demain. Des tomates. T'as pris 3 gros, dis donc. Ouais. 3 tomates, un mélange gourmand, raisin, amande, noix, noisette, noix du Brésil et noix de cajou, un paquet d'amandes,
3 maracuja. Je crois qu'ils étaient à 1,99€ les 3, alors que d'habitude je prends, c'est 1€ chacun. Des œufs, 10 œufs bio. Une entrecôte qu'on va faire au barbecue. Du saumon. Toujours au barbecue. Des merguez. Donc ça va être, finalement tu l'as pris quand même. Je lui dis plutôt que de prendre tes tranches, mais bon, c'était dans le sac. Et des bananes. Ce qui est resté en bas, c'est 2 packs d'eau. Oui. C'est ça. Bon, je range mes courses et je vous retrouve pour normal et pour action. Alors je vous montre la boîte. Je vais vous baisser. Alors, voilà ce qu'on a dedans. La planche avec le couteau et le jambon. Bon, ben, on a fait un heureux là. Hein, t'es content? Ah oui. Alors, bon, du coup, je n'ai pas tout fini de ranger. C'est pas grave, on va. J'ai rangé tout ce qui était frais. Hein. J'ai pas rangé les litres de lait végétaux, tout ça. J'ai pas rangé, mais ça craint rien. Par contre, je vais ranger le jambon. Donc, que je vous montre, là, je vais vous montrer chez Normal. On n'a pas pris grand chose, hein. C'était vraiment pour découvrir le magasin. J'en ai eu pour 31€. Non. Hors taxe 31. 35€, pardon. Alors, on a pris une bouteille d'eau qu'on a bu. Sonne le lit framboise. Oui. J'ai pris ceux-là. C'est des un peu comme les mid-surprise. L'autre jour, on les avait pris, c'était Choupa Choups. Et là, on a pris ceux-là, la framboise. Il y en avait d'autres, je ne sais plus, fraîches, je crois. Ça, c'était 2€. Ensuite, ils vendaient à 1€ des petits sachets d'épices. Donc, moi, j'ai pris origan. Et j'ai pris sucre vanillé, un petit sachet tout prêt, à 1€. Ensuite, on a pris nos 2 cafés glacés. Ça, c'est 4€. Non, 4,60€, pardon. Donc, on a pris caramel salé et l'eau de vanille, je suppose. On a pris les deux, et je crois que c'est les deux saveurs. Oui, vanille. Donc, pareil, 4,60€. J'ai trouvé un dentifrice noté excellent à 100% sur Yuka. La marque, c'est Waken. Donc, dentifrice whitening qui est blancheur, quoi. Et c'était 4€. Chérie s'est pris un déo Axe Marine. Comme Ask, tu sens bon, c'est combien? 2,40€. My Sweet Lip Gommage. Pour me faire des gommages le soir, des fois j'ai des petites peaux et j'ai tendance à les enlever comme ça et après ça me fait mal. Donc un petit gommage, en plus le pot est trop mignon, ça me fait penser au pot à la neige. 3,20€. Chérie s'est pris un parfum. Il sentait bon, il a senti dans le magasin, il y avait un testeur. Fine Gold, 99,99€. 6,20€. Vous êtes ça, ouais. Un petit paquet de bonbons crunchy, couleur. 4,20€, non, c'est pas ça. 4,20€ cette merde. Ah oui, quand même. Ah, j'ai pas vu le prix. Hein. 4,20€. Non, c'est moi qui l'ai pris. J'ai dit, on va essayer. Le packaging m'a attiré, mais 4,20€. J'ai pas fait attention au prix. Voilà. Et puis,
Un autre sachet. Ça, pour faire cuire les légumes. À 1 euro toujours. Voilà, et le petit sac à 55. Hein. Donc je vous ai dit le prix, 35,55. Voilà. Et chez Action, alors chez Action, vous savez, on allait pour acheter des bâches, des choses comme ça, pas trop grand chose. On a trouvé juste deux bâches. Alors, on va changer le sac. Deux bâches pour protéger le sol, l'escalier quand on fera les travaux. J'ai vu un masque spécial visage. Hop, là, ça va glisser. Après soleil. Quand vous avez bien pris le soleil, après vous faites un petit masque sympatoche. Et un rouge à lèvres. La couleur, c'est blush. Regardez ce que c'est comme couleur. Ça a l'air d'être un vieux rose. Regardez ça ensemble. Hop. Facile. Oh, joli. Ah, il est joli. J'aime bien. C'est plutôt joli la couleur. Voilà. Et puis un petit paquet de noix de cajou. C'est tout ce qu'il y avait dans le magasin Action. C'est pour ça qu'après, quand on est allé chez Lidl, j'en ai racheté un peu. Et chez Action, le rouge à lèvres est à 1,19. Les noix de cajou sans sel, 1,62. Le masque visage 0,69, les deux toiles de protection à 1,65 la toile, ça fait 3,30. Donc j'en ai pour 6,80 chez Action. C'est pas souvent qu'on en a pour si peu cher. Bon, je vais ranger tout ça. Il est 5h20 déjà. Est-ce que tu veux un thé glacé? Oui. Ouais, on va faire ça, tiens. Maintenant qu'on a racheté ça. Allez, je vous laisse, je vais faire un petit thé glacé avec du lait d'avoine. Je viens d'ouvrir le paquet là, qui est hors de prix. C'est tout petit. J'en ai pris un, regardez comment c'est tout petit. C'est crunchy à l'intérieur, c'est pas mauvais. J'ai l'impression que c'est de la barbe à papa. La barbe à papa à l'intérieur, mais crunchy quoi. Bon allez, je fais mon café glacé. Alors, on se retrouve dans ma salle de bain et je vais commencer à vider. Vous voyez, j'ai quatre portes là, ce meuble. Donc, je vais commencer à vider tout pour que Chéri puisse le déposer pour avoir accès à ce radiateur qui est là. Et là, on ne peut pas le déposer à cause du meuble. Donc, il faut que je le vide. Et il est plein, hein, je vous montre. Voilà, voilà ce qu'il faut que je vide. Donc premier étage,
et tout ça. Bon, ça va parce que la plupart sont dans des caisses comme ça. Mais après, là, c'est un peu le bazar, vous voyez. J'ai déjà vidé tout ça. Je me suis munie de... Oups là. Hop. Donc, j'ai deux grands sacs Action. Et je vais tout vider. Allez, c'est parti. Alors, j'ai déjà sorti le premier étage. Donc, il va falloir effectivement, il y a bien des vis là qui soutiennent le meuble. Voilà, donc, chérie va pouvoir accéder. Allez, maintenant, tout ça, comme c'est à l'unité, je vais mettre dans des sacs. Voilà, deuxième étagère de vider. Ça, c'est fait. Et là, il reste tout ça. Mais ça, c'est le plus gros bazar. Hein. Ça, c'est plus médicaments. Mais, donc, tout ça, c'est sorti et c'est atterri ici. Voilà. Voilà ce que c'est quand on a des grands meubles en stock. Comme ça va me permettre de faire un tri. C'est pas plus mal. Bon, on va s'attaquer au deuxième placard. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on est vendredi 26. Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques. Enfin, ce soir, ce sera l'ouverture des Jeux Olympiques. On est à fond dans les jeux, enfin, chérie, moi, non, pas trop, mais lui, il regarde. Hier, c'était football, hier soir, mais c'est que du football féminin, je crois. Il y avait du football, du rugby, il y avait plein de choses hier. Donc, hier, il a regardé ça, et moi, pendant ce temps-là, je suis allée monter ce vlog, donc jusqu'à hier au soir. Et en début de semaine, je vous disais, je sais pas s'il va y avoir du contenu, patali patalote. En fait, je suis à 57 minutes. Donc, je ne dis plus rien, hein. Vous le regarderez en deux fois si vous voulez, je ne dis plus rien. Alors aujourd'hui, il ne fait pas beau, mais ça fait du bien, ça rafraîchit, mais il fait lourd poisseux. Ce matin, je suis allée vider entièrement mon meuble de salle de bain, j'ai quatre portes, enfin deux doubles portes. Maintenant, je suis en train de faire le tri, j'ai jeté un sac poubelle de tous les médicaments qui étaient ouverts, quand il y a un demi-flacon, ben, j'ai jeté, j'ai pas gardé. Toutes les boîtes qui étaient périmées, j'ai tout jeté également. Des trucs dont je me sers pas, j'ai jeté aussi, parce que non, ça sert plus à rien. Et puis donc là, on a déjeuné. Heureusement, c'est chérie qui a préparé le repas, parce que moi, j'étais là-haut dans mon tri. Là, je prends mon café de bienvenue, il est 13h, on s'est dépêché de manger. On a mangé juste une salade de tomates avec feta pour moi. Et puis, ben, chérie a fait du jambon de... Ah non, c'est pas celui que tu as fait, c'est celui qu'on avait acheté en tranche, je dis des bêtises. Non, tu l'as pas encore entamé le jambon? Pas encore. Le morceau de jambon, non, pas encore. Et avec ça, du poulet avec un restant de riz frit. C'était très bien. Un petit yaourt là-dessus et puis c'est bon. On mangera mieux ce soir, je préparerai le dîner. Donc là, je prends mon café. Chérie l'a déjà pris. Moi, je le prends que seulement parce que ma machine me demandait de la nettoyer. Donc je l'ai fait, elle est nettoyée. J'ai enlevé le marc, j'ai nettoyé l'unité d'infusion, j'ai nettoyé le tiroir qui reçoit l'eau, j'ai tout nettoyé. Donc mon café est un peu froid. Donc je retourne à mon tri, mais cette fois-ci, j'ai fait tous les médicaments. Donc cette fois-ci, je vais faire tout ce qui est produits d'hygiène, pareil. Tout ce qui est entamé depuis un moment, je vais jeter. Parce qu'il faut que je passe d'un meuble d'1m40 à un meuble de 80.
Donc il va falloir faire du tri forcément. Alors tout mon stock que j'ai, parce que je me disais mais t'en as trop. J'ai dit oui, mais la dernière fois quand je suis allée chez Action, il n'avait plus de shampoing bleu là, le shampoing violet pardon, Inecto. Donc il y en avait, j'en ai pris 3 bouteilles d'avance. Alors c'est vrai que j'ai mon shampoing dont je me sers qui est entamé et j'ai 3 bouteilles d'avance. Mais ça c'est du stock parce que chez maintenant il y en a. Parce que quand on est allé, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, voilà, maintenant que j'en ai fait un stock, et ben maintenant il est disponible dans mon Action. Bref, donc je vais garder vraiment ce dont je me sers. Je vais faire un tri. Voilà, tout simplement. Je vais faire ça, je vous retrouve après. Tu vas faire de la pétanque, toi, cet après-midi ou pas? Non, je vais descendre, faire un tour en bas. Pour essayer de trouver des bouchons pour supprimer les robinets. Les robinets du meuble ? Ouais. Ouais. Parce que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est retirer ce meuble que j'ai vidé. Donc forcément, il va être plus léger. Et par contre, il faut enlever les bouchons on a 2 robinets, donc il faut enlever les bouchons. Non, il faut mettre des bouchons pour pouvoir enlever les robinets. Absolument. C'est ça, hein ? Bon, pendant que lui fait ça, moi, je continue mon tri. Allez, je vous reprendrai plus. Donc là, on est parti de la maison. C'est le point, la deuxième sortie. Attends, je vais baisser un peu le son parce que sinon, on ne s'entend pas. Donc, on est parti de la maison. J'ai regardé sur le bon coin pour trouver un meuble de transition parce qu'on va enlever notre grand meuble pour qu'on puisse avoir accès au radiateur afin de retirer le radiateur. Et là, comme il est coincé, on ne peut pas. Donc, j'ai trouvé un meuble de 80 sur le bon coin, 80 cm. À un quart d'heure de la maison, c'est ça? Non, 25 minutes de la maison. Deuxième sortie à 300 mètres. Et du coup, bah, on y est allé, la personne charmante, elles nous ont même aidé avec son fils à mettre dans le coffre. Donc là, on a le meuble qui est dans le coffre. Donc c'est juste de la transition, il y a même un miroir qu'on ne va pas utiliser. C'était le bon point à la deuxième sortie. Parce que le miroir, nous, il est encore accroché au mur, donc on va le laisser en attendant. Hein. Donc on va juste installer le meuble pour avoir un point d'eau quand même. Parce qu'on a besoin pour se laver les dents, des choses comme ça, se laver les mains, il nous faut un point d'eau. Donc on a un petit meuble de transition et puis après, bon, comme je disais chérie, on va se retrouver avec 3 meubles. Celui-ci, le grand d'un 1m40 qu'à la maison et celui qu'on va recevoir de chez le roi Merlin. Mais après, bon, bah, c'est pareil, je mettrai tout ça à revendre un petit prix sur le bon coin. Là, le meuble, on l'a payé 30 € pour vous dire. Et il y a tout, le robinetterie compris. Et il y a même la robinetterie, puis c'est une vasque entière. Vous voyez, c'est un plan vasque, quoi. Donc, il est très bien. Donc là, on rentre à la maison, on va pouvoir détacher l'autre. Et puis mettre celui-ci, il est juste posé au sol. À 400 mètres. Mais il faut que j'aille chercher des... Mais il faut passer d'abord chercher des écrous. On passe à la maison d'abord. Bouchons. Oui, les bouchons. Parce que chérie, bah, n'a pas c'est comme on veut. Hein. On va peut-être mettre ça à la maison d'abord. Hein. Ouais. Puis tu iras après, non? Comme ça, moi, je pourrais terminer mon tri là-haut. Bon, enfin bref, on a trouvé notre petit bonheur. On va pouvoir commencer à attaquer les travaux. Allez, je vous retrouve pour arriver à la maison. Deuxième sortie. Alors, nous voilà revenus, il est 5h25. Donc, on a récupéré le meuble, on l'a posé en bas. Ensuite, on est allé à Casto pour acheter des bouchons pour... je l'ai eu. Des petits bouchons pour fermer parce que là, à l'heure actuelle, on a 2 robinets et on va se retrouver qu'avec un seul. Donc, il fallait des bouchons pour enlever tout ça. Enfin, donc, on est allé. Et là, moi, je vais me prendre mon petit goûter. Donc, je vais me prendre un peu de noix mélangée, etc. J'ai pris un gros carré de chocolat que j'ai coupé en 4. Et je vais me prendre un maracuja. Parce que là, il est trop tard pour faire un café glacé. Sinon, on va avoir du mal à dormir. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à dormir. C'est ça, oui. Donc je prends mon goûter et puis de toute façon bah, je vous reprendrai après bah, certainement pour clôturer ce vlog. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je voulais vous montrer comment j'ai bien avancé sur mon DP. Il me reste plus que cette partie là. J'ai juste un seul, vous voyez, juste un seul carré à faire, mais j'ai terminé le bas. C'est bientôt fini.
Allez, à plus. Alors, les amis, je vous reprends après dîner. Chérie m'a préparé mon infusion, comme tous les soirs. Donc, on est toujours en train de regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Malheureusement, il pleut, les pauvres. Donc, vous vous en doutez, je viens ici pour clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de commenter, de partager éventuellement et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!